Salut YouTube et bienvenue sur le stream de la filerie. Bienvenue sur cette première VOD de Anodine. J'avais prévu mes infos mais j'ai oublié entre temps donc c'est pas grave. Anodine donc, petit action RPG indépendant, on pourrait même dire un Zelda-like à ce niveau-là. Je fais des alt-tabs, d'ailleurs non, je vais retourner dans OBS pour capturer correctement tout ça. N'en faites pas assez chelou, mais... Donc, Anodine, qu'est-ce donc ? Il s'agit donc d'un action RPG par Analgesic Production. Analgesic Production qui ont donc sorti 3 jeux actuellement. Anodine 1, c'était leur premier en 2013. Suivi de... j'ai retrouvé le nom Even the Ocean en 2016 que je n'ai pas joué. Et enfin, Anodine 2 qui est sorti il y a quelques jours de ça. C'est pour ça que je voulais refaire ce 1 puisque j'ai acheté le 2. Et le 1 m'avait... J'avais beaucoup apprécié quand j'ai joué mais je ne l'avais pas fini. Donc j'ai profité de faire ça en live pour pouvoir le terminer. Que dire sur Analgesic Production ? Déjà ils sont deux personnes dedans. Sean Antani je pense. Et Marina Kitaka. Donc ce sont les deux développeurs créateurs de leur jeu. Et du coup bah voilà, je propose que l'on s'y mette tout simplement. Voilà. Alors on va y jouer au clavier. J'aimerais bien jouer au gamepad, mais j'ai pas réussi à configurer. Du coup, je vous propose que nous lancions tout ça. Allons-y. C'est tout star. X join. Alors là, est-ce que par hasard là. On va y aller au clavier. Ça marchera très bien. C'est tout star. Du coup, Mysterious Voices. Hello, Long. Hey, oh, you can hear me. Ah oui, mais du coup, not in French. Attends, je fais un rapide alt-tab. Assurer que ça... Je sais pas s'il y a une version française, en fait. Tant que j'y... Je vais aller voir sur le site directement. Non, c'est pas grave, il n'existe pas en français. Du coup, je vais go traduction en temps réel. Exactement, Nicolas, tu as tout compris. Du coup, les voix mystérieuses me disent « Ah, c'est bien, maintenant tu... Enfin, tu peux nous entendre. » Du coup, écoute, tu vas bientôt te réveiller. Tu vas utiliser les touches fléchées du clavier pour te déplacer. Là, bonjour, quatrième. La réel. Ah non, traduction en temps réel, t'as pris. Ah non, c'est le temps. Alors, de toute évidence, ça tremble. Alors, voici mon personnage. Tu vas appuyer sur la touche C pour interagir avec des objets et les gens autour de toi. Voici un mur. Et okay. Jouer en haut menu égal Hunter. Ah, je peux configurer. Et... Ah, attendez, là, il y a un language. Attendez, il y aura peut-être une chance. Donc, vous avez peut-être une chance de pas... Non, vous aurez de l'anglais. Désolé. Est-ce que j'ai déjà joué? Alors, j'y ai déjà joué une fois. Je l'avais pas terminé à l'époque. Mais j'avais beaucoup apprécié. Du coup, comme j'ai dit, bah, je vais le terminer. And you will press Enter key to access the menu. Oui, je suis le provide you. Pardon, vous appuierez sur Entrée pour accéder au menu, ce qui vous donnera des informations à propos de vous-même et de votre environnement. Du genre une map. Pas grand chose. Des items qui ne m'indiquent pas grand chose. Des arts qui ne m'indiquent pas grand chose. Une sauvegarde. Je suis mort 0 fois aussi. Et une configuration. X pour back. Me voilà donc. Il y a des écritures gravées sur cette pierre. Quelquefois, si tu parles aux gens de plusieurs fois, ils auront de nouvelles choses à dire. Mais pas les pierres. Les pierres ne font pas ça. Bon, ok. Du coup, on va de parler plusieurs fois aux pierres, simplement. Comme cette personne, qui est un homme encapuchonné. Eh bien, il est temps. Je veux dire, bienvenue, jeune. Donc mon nom c'est Young.
Je suis sage, le vieillard du village, l'ancien du village. Tu as été invoqué ici parce que The Darkness s'est abattu sur la terre, les ténèbres. Darkness, les ténèbres. Les ténèbres cherchent le Legendary Briard. Qu'est-ce que c'est qu'un briard? Attendez. Parce que si je me dois de me de vous faire la traduction. Traduction briard. Ronce. Wiglantier. M'attendez pas à ça. Cherche juste. En fait, je regarde rapidement s'il n'y a pas. Du coup, les ténèbres cherchent le ronce légendaire. Le légendaire églantier. Alors, si tu permets, Kaidon, je vais plutôt parler de légendaire ronce. Je sais pas. En ronce ou en églantier. Pour utiliser son pouvoir pour faire le mal. Nous devons l'atteindre en premier. Nous devons le protéger, le ronce l'églantier. Entrez sur, dans le portail actif sur votre gauche pour commencer votre quête. Qu'est-ce que c'est que ça? Statue, l'ancien du village. Village Elder, il dit. Ancien du village, son nom seulement, car il n'est ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est un checkpoint. J'appuie sur C pour sauvegarder ici, très bien. Qu'il y a un portail à gauche, du coup, un coup d'œil, mais coupure. Il y a un Nicolas. Eh bien, allons sur le portail sur notre gauche. Et pour sauter dedans, très bien. Nouveau checkpoint. Avançons un peu. Ah, et puis là, on peut voir en haut. Je commence à avoir une carte. En fait, on voit ça en haut à côté de la clé. Symbole de la clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette door est fermée. Okay. Cette porte est fermée, excuse-moi. Des blobs. Vous voyez que les blobs, ils sont méchants. Ou allons plutôt de côté. Hein. Ok. Ça, il se ferme. Une gravure sur la manche du poignet lit. Appuyez sur C pour balayer. Et oui, gardant anodine, nous passons le balai. Et nous récupérons un point de vie en balayant des blobs. Très bien. Et du coup, grâce à ce balai, nous allons. Balayer cette pièce là qui à mon avis s'ouvrira quand tous ces blocs sont balayés. Cette clé peut être utilisée une seule fois pour ouvrir une barrière fermée. Ça tombe bien, nous avons ici une porte fermée. On parle des trous, mais t'as vu que ça. Voilà. Juste pour être sûr. On est sûr maintenant que c'est bien les pièges. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Plus un pet de son. Ton balai est maintenant plein de poussière. Attaque encore pour, pour placer la poussière. Oh. D'accord, par contre la poussière elle... Je ne la trimballe pas d'un tableau à l'autre. Ok, checkpoint, ça se... Ah. Écoutez, allons par là. Levez la tête. Attention, droit devant. Ah, oui. Bonjour. Désolé, j'allais beaucoup trop vite. Oh, mais je t'ai jamais vu ici avant. Tu dois être un... compagnon voyageur. Hein? Tu veux protéger le...
le ronce des forces des ténèbres? Eh bien, j'ai aucune idée de ce quoi tu parles, mais ça a l'air cool, je suppose. Eh bien, c'est très cool, c'est ma quête, même. Je me baladais de ci, de là, traînant mes penates. Quoi? Non, je suis pas un vendeur. Ah non, pas penates, wares, équipements, en gros. Oh, ça va pas être simple, j'ai vraiment sur la traduction. Wares, c'est le nom de mon vélo. Et bah, peut-être qu'on se recroisera une autre fois. Hein. Je te tiens au courant si j'entends parler d'un aigle entier ou d'un ronce. Je préfère la musique quand ce personnage était là. Elle était un peu plus guillette quand même. Quand open a-t-il une sense for Karl? D'accord. Du coup, cette porte ne s'ouvrira pas tant qu'elle ne sortira pas 4 cartes. C'est pas exactement ce qu'il veut dire par là. Ah là, il y a une pierre. Attends. La pierre. Je parie que tu es en train de lire une pierre parce que tu n'as pas d'amis. Alors, c'est faux. On est 4 actuellement. Sur ce stream, du coup, j'ai des amis. On va passer par là. Tac. Oh, un coffre. Avec une carte, je suppose, si je vais là. Non, pardon, excusez-moi. Entrée, CC. Je m'en fiche, je vais me faire regarder par les arbres. Très bien. Extrêmement troublant. Et du coup, il me manque encore 3 cartes. Alors là, il me faudra une clé, je pense. Alors, la musique, c'est clairement la musique de l'angoisse pour le moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son. Normalement, je suis confiant que non, mais bon, au cas où. Y'a vraiment rien ici? Hop 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 hop. Par là-haut. Excusez-moi. Oula. Le son est ok, parfait, merci Nico. Oh! L'ancien du village. Non, le sage, pardon. Bah, le sage et l'ancien village. Bientôt, tes compétences seront mises à l'épreuve, jeune. Dans le but de traverser ce temple vivant, tu auras besoin d'à la fois de la force et de l'intelligence. Et j'assume... J'suppose que tu as trouvé une arme, n'est-ce pas? Eh bien oui, un balai. je veux dire, oui, bien sûr, un balai. Comme l'avait dit la légende. Incompétents. Hey, qu'est-ce que tu fais encore là? T'as-tu? J'ai vu un balai dans la légende. C'était sur la carte du... De l'agent d'entretien. Alors, je vais pas aller dans le temple maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un portail. Très bien. J'ai donc ça d'un portail. Oh, la personne qui était sur la carte. Edward. Une fois un homme est venu et installé un miroir dans notre salle de bain. J'avais peur qu'il y avait une caméra cachée à l'intérieur. J'ai scruté chacun des centimètres de ce cadre en bois. Mettant de l'huile de savon Murphy Oil Soap dans les cracks, pensant que je pourrais surcuter les câbles. Bien sûr, je n'ai jamais rien trouvé. Ce temple est dédié à celui qui voit. Je sais pas pourquoi je suis venu ici, j'ai
trop peur d'aller à l'intérieur. Ok. Alors, il me semblait, dans mes souvenirs, et là, ça semble plus ou moins le... Et enfin... Ouais. Que c'est quand même pas un jeu... extrêmement mimi. Je pense que ça, c'est la sortie du temple, à première vue. Donc, il y aura des gens comme ça qui disent qu'ils ont peur de... des miroirs et de ce que ça cache à l'intérieur. Oh d'accord, j'en conclus que... Ok, la poussière arrête les rayons bleus. Ah bah oui, c'est celui qui voit, c'est pour ça qu'il y a des yeux partout. Je... ah. On va dire qu'il va falloir lui taper dans le dos. Technique de speedrun. Ça sert à rien, mais... Et elle est maintenant... Une pierre. Ah oui, elle est pierre. Les visions périphériques et le... Et le berceau des démons. Région périphérique. Enfin, non, pardon. C'est moi qui appuyais sur... entrée, je crois. Ça m'a fait flipper. Et je crois vraiment que j'étais en train de mourir dans le jeu. Alors... Ouais, j'aimerais pouvoir je peux passer là, oui. Alors, et je peux sauvegarder. Est-ce qu'il faut que je les tape tous pour pouvoir passer? C'est le cas. Cool, là, tout va bien. Par contre, là. Bon, pour le moment, les énigmes, ça va. C'est un peu brutos. J'aurais pas dû faire ça. En y repensant. Des ballons comme ambiance, ouais, plutôt. Et moi, je... Ok, c'est... Rien de plus à faire. Ah, mais attendez, j'ai une clé. Je vais faire ça. Et il faut se comme ferme. Ah, comment j'arrive de me prendre tous les coups du monde. Ah. Une nouvelle carte. Non. Et d'ailleurs, on peut aller observer du coup. Êtes-vous un nookshot? Maman m'a toujours prévenu des... M'a toujours demandé de méfier des dangereux outchocks. Alors c'est là où on va voir que je parle beaucoup moins bien anglais que ce que je crois, moi-même. Et ça va bien, toi. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Bien, toi. Bon, désolé, je ressors de... d'une petite crève. Grosse crève, là. Dans tous les cas. Voilà.
Qu'est-ce que je vais en faire dans cette pièce? Je ne sais pas. Alors, j'ai jamais été observé à droite. Malou, je fais un coup d'œil. Ah, là aussi, j'ai vendu une clé, mais peut-être que de taper E. Ça ouvre le bar. Ouais, ben, je pense que c'est bien l'idée, Nico. Enfin, c'est une échelle de difficulté assez basique en soi. Ok, le blob. Je dois geler même. So good ouf. L'anime est you. Génial de finalement te rencontrer. Pourquoi il s'installe pas une minute? J'étais juste enfin, de versalité. C'est les jeux de mots que je serais incapable de traduire en anglais. Enfin, soyons honnêtes. Du coup, moi, il manque une clé, là, on est d'accord. Et si je regarde ma carte... Ah, je peux retourner à l'entrée directement avec... Alors, ici, à gauche, il y a un truc que j'ai pas été visité. Non, encore un cran à gauche. Alors, à gauche et à gauche... Et c'est vrai qu'il paraît la vision périphérique ici. Et je. J'ai pas trop pu tester sur la vision périphérique. Attends, c'est l'étape, j'aurais récupéré de la vie, je. Oh, tu traduis Stanley Matthew par c'est génial de rencontrer. Et je... Et ouais, non mais c'est. C'est à ça qu'on voit les grands. Hop là! Passe! Ah, et pour ça, il faudrait que je tape le blob à droite. Et je peux pas. Et là, je peux pas passer. Je suis passé quand même, je suis passé. Non, là, il n'y a plus rien à faire. Lui on est d'accord que je l'ai. Là en bas apparemment il y a un passage. Ouf la viande. Ok voilà. Oula. Et voilà, et là il y aurait une clé. Exactement. Avec cette clé je vais pouvoir remonter. Ah oui non ça je veux bien. Hop là. Remonter. Non. Oh, moi, je vais me retaper sur. C'est relou, c'est un petit peu long. Ah là, ça passe sans trop de problème. On sauvegarde ici. À faire. Et là, pif. Bon, non, attends. On va faire embêter par ces choses. Oui. Et puis je vais taper ces monstres pour récupérer un peu de vie. Comme c'était dit dans la légende. Paf. Et ça a ouvert ça. Et hop là, ça part. Oui, mais là, du coup, comment je fais? Parce que si je refais le. Ou alors les blobs restent morts? Ah mince, je me suis trompé de touche, excusez-moi. Ok, donc les blobs restent morts. J'ai pas un peu de vie, s'il vous plaît, sur vous. Yep, ça passe. Et non, parce que du coup, il faut quand même que je t'appuie. Voilà. Je crois que ça, c'est la salle du boss. Oh, n'est-ce pas mignon? Précieux petit jeune. Jouant au héros. Mais j'ai observé chacun des pas que tu as fait dans la terre.
Et laisse-moi te dire, jeune, tout le monde ici n'est pas aussi honnête que moi. Fais attention en qui tu as confiance. Ah, tu as quand même me tapé ? Non. Comment je fais? Ah là là. Tiens. Ah. Oh la vache, mais. Ta. Non, ça c'est pour ma gueule. Oh, j'étais en plus de vie. Ça va arrêter ça? Ouais. Non, non, non. Ok, il faudrait que j'arrive à l'intercepter. Et je suis mort. Pas de soucis, bon, on continue. On a repris ici, du coup, ça veut dire qu'on a juste à passer là rapidos et on revient à celle du boss. Très bien. Oh, n'est-ce pas mignon, précieux petit jeune qui joue héros? Et j'ai observé chacun des pas que tu as pris dans la terre. Tu as fait dans la terre, et laisse-moi te dire que tout le monde n'est pas aussi honnête que moi. Ne fais pas confiance à tout le monde. Non, je sais pas. Pas moyen de l'infiniter un petit peu. Ah. Ok, ouais, je pense que là faut vraiment réussir à l'intercepter. Ok, c'est bon. Parce que mine de rien, avec mon balai légendaire, j'ai quand même une grande portée. Je serai avec toi, jeune. À chaque fois que tu seras seul. Et souviens-toi de mon conseil dans ta petite aventure. Oh, une fée. Ok, elle m'a bien soigné entièrement. J'étais pas sûr, c'est une fée assez flippante, hein, on va être honnête. Elle m'a même donné un point de vie en plus. Cool. Sage. En ce moment, tu es encore faible. J'espère protéger le ronce des ténèbres. Tu dois faire face à tes peurs. La carte que tu trouveras dans ce coffre et d'autres comme celle-ci sont des symboles de... de ta croissance. Donc les acquérir est absolument vital pour ta quest. Un coup de balai. Cette clé, j'ai aussi un rôle important dans ta quête. Tu dois rechercher les autres clés aussi. Sélectionne la map dans l'écran du menu pour te téléporter à l'entrée de ces temples et continue ta quête héroïque. Genre, on va sauvegarder ici. On va parler à la statue. Donc acquérir des cartes est vital pour ta quête. Acquérir des cartes est vital aussi pour d'autres quêtes comme gagner en crédit, en réputation peut-être, ou acheter des boissons alcooliques. Tiens. Ah bah c'est vraiment lui The Thing One en fait. J'ai ma première clé. Excusez-moi. Et c'était... avec toi, jeune, à chaque fois que tu seras seul. Ouais, je pense que c'est The Thing One. Va vers l'est et au sud, à travers les fondations du temple. Tu trouveras une utilité à cette... portail. La statue ne semble pas vouloir bouger ici. Et là, j'ai donc le portail. Ok. Très bien. Mais donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est... on va créer map return to entrance. Yes. Et là, on m'a dit d'aller donc au sud-est. D'accord, donc ça... par contre, les 4 cartes me permettent aussi d'ouvrir. On va jeter un coup d'œil au sud-est.
Ouais, je peux pas passer. Ok, bon, du coup, je vais pas aller trop jeter un coup d'œil par là. Hein. Mais on va jeter un coup d'œil de l'autre côté, là où il y avait cette porte qui était bloquée, donc je n'avais pas 4 cartes. Le nouveau blob. Il y a un bruit que je n'ai pas entendu. Enfin, que je n'ai pas compris. Ok, j'ai 4 cartes maintenant. T'entends les 4 cartes, la porte les rire. Ok, donc là, j'ouvre cette porte, mais il va y avoir grand chose. Je pense qu'il va falloir aller taper les 4 blobs de l'autre côté pour. Team. Alors c'est marrant parce que il y a une sorte d'effet physique dans le jeu que quand tu cognes contre une texture et par exemple là je vais toujours à droite et en fait je monte un petit peu et le fait d'aller à droite me ramène toujours au centre du bloc actuel. C'est assez étrange. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ça pour un peu le speedrunning. Et ça c'est un. Bah dans les chaussures elle me donne jamais de vie j'ai l'impression. Oh un chien. Ok. Pas un gentil chien. Il me fait mal en plus. Là. Ouais, viens là. Non, viens là. Du coup, elle va me donner un point de vie en plus. J'ai l'impression de gagner des points de vie extrêmement vite. Et ainsi donc. Ok. On est d'accord que ça m'a rien rapporté. Pas fou. Non, par contre, ici, j'ai la clé, je pense. Ah, du coup, je piche pas l'intérêt que j'ai eu à passer par en haut. Sur mes cartes ou pas? Oui. Gagner un point de vie en plus. C'était ça l'intérêt. C'était très étrange. Nouvel environnement. Les mots sur ce panneau sont effacés. Bizarre comme nom de ville, effacé. Et il y a de l'eau. Je coule. Très bien. Cool. Oh, un chat. Oh, tu es jeune. L'élu. Oh, quel honneur. Mon nom est Miao Xiao Chuan R. Élu en entraînement. Apprenti élu, serait même. Puis je te suivre un peu pour observer l'élu en action. Ouais, ça c'est de l'eau. Il faut pas couler dans l'eau. Oh, mais t'as un bateau. Alors on dirait qu'il marche sur la poussière. Un pont. Génial. D'abord lire la pierre. Ouest, la plage. Est, forêt. Sud-est, la zone des pluies. Nord, les fondations du temple, c'est ça qui m'intéresse. Nord-ouest, phasme. Phasme, cicatrice ? Non, abîme. Il y a donc des abîmes dans le coin. Hé, hey, tu te souviens de moi? J'ai oublié de me présenter la dernière fois. J'ai seulement présenté mon vélo. Wears. On va appeler... Wears. Équipement, peut-être? Allez. On va appeler marchandise. Parce que c'est ça que ça veut dire, marchandise. Son nom, elle, c'est Mitra.
Alors, comment ça va, jeune? Quoi? Comment je connais ton nom? Tu penseras que c'est bizarre, hein, mais... Je l'ai vu sur le bas de ta... derrière de tes capuches. Et mon chat me dit, j'aime Mitra. Et équipement, n'est-il pas un magnifique vélo? Pas plus tard, Young. Ah, un vélo. Bon, je peux pas rentrer chez Mitra. Ah, mais il y a du courant, là. C'est pas là. Oui, non, là, par contre, je coule quand même. Mais du coup, là, si je mets de la poussière, est-ce qu'elle tombe? Yao, Iki... Iki a dit que je devrais pas venir ici, que c'est pas ce... C'est pas très prudent. Je te vois plus tard, Young. Ok. Écoute, moi, je suis le courant. Le courant qui m'amène vers... Et... Grenouille of Doom. Ok. Ah non, mais je vois qu'on est bien reçu par ici. Un portail. Le signe indique que l'ouest, mais les mots dessus sont effacés. Le signe indique l'est, mais les mots dessus sont effacés. Alors, où est-ce que je voulais aller? Moi, je voulais aller au nord à la base pour trouver les fondations. Écrit chez Mira, mais j'ai oublié. Là, je peux... faire ça. Incroyable. Et il me faudra une clé, très bien. Attends, juste retourner chez Mira pour voir... qui serait sous Rainy North Temple Ground. Ok. C'est bien ça, en fait. On va quand même aller, nous, au nord. En tout cas, ça, je nous avais dit d'aller au nord. Donc, je propose qu'on aille au nord. Comment? Et j'ai même droit à un nouveau portail. Qui m'amène... Voisinu, jeune. Cette clé que tu as trouvée, il y en a d'autres pareilles. Bon, cette statue, je suis incapable de traduire exactement ce qu'elle est. Un mystique. Une fleur, enfin, une méchante fleur, très bien. Ne devrais-je pas retourner aller chercher mon apprenti élu par hasard? Vas-y, viens avec moi, apprenti élu. On a toujours besoin d'un compagnon. C'est quoi, c'est... Cette pierre vachement chouette, jeune. Est-ce que ça te fait revenir dans le temps? Je pense pas. Je voyageais dans l'espace. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, punk? Dégage. Je l'ai rattrapé par moi-même, dans les règles de l'art. Ouf. Mais c'est... Un autre chat? Ok, j'ai bien fait de prendre... avec moi. Jeune ouvre et prends la boîte. Quelque chose est à l'intérieur. Un chat. Iki. Oh, c'était le chat, on parlait miaou. Hé, hey, miaou, miaou. Ah, je suis tellement content que tu sois sain et sauf. Iki. Hey, merci pour le coup de main, jeune. Bah, écoute, de rien. Pour être honnête, j'aime bien m'asseoir dans des boîtes. Un chat, quoi. Miaou a dit que c'est pas prudent d'être par là. Bah, écoute, on se verra plus tard, Miaou. On se verra plus tard, le chat. Là, j'ai ouvert le passé. Pourquoi il a un flingue? Vinti, bienvenue, bienvenue, jeune, jeune. Mon nom est... Ansandoff. Vinti Prazandoff. J'ai pas le jeu de mots là, honnêtement. Regarde ce qui t'intéresse dans mon magasin et... Reviens me voir si... Faites attention. Oh oh oh, c'est un item spécial en effet. Des chaussures de... vélo. Et tu peux être rapide et stylé.
en promo pour seulement 300$. Ce sac d'argent te permettra d'accumuler de l'argent que tu trouveras dans l'éther. Et tiens, pour à peine 870$. Et le... Ah, t'as un bon oeil, toi. T'as besoin d'une meilleure arme, n'est-ce pas? Pour exploser tes ennemis en miettes pour seulement 500$. Une boîte, merci beaucoup. Maintenant, je peux transporter tout mon inventaire à la maison pour la nuit et revenir au matin. Comme remerciement de ma gratitude, prends ces superbes chaussures. J'ai extrêmement peur de voir les chaussures. T'en as marre de nettoyer la poussière avec ton vieux balai? Eh bien, éradique les particules de poussière avec cette pièce high-tech aspirateur. Voilà, à seulement 750$. Ou seulement 4 paiements de 200$. Qui fait des frais de 50$. Bon. J'ai connu moins honnête. Oui, bon, moi je devais quand même aller au nord à la base. Par où est-ce que je vois? Ou par là, bah, je ne veux pas passer tout ça. Et on continue d'explorer à droite. Bon, c'est vrai parce que là ils disent qu'il y a moyen d'aller en haut d'après la mini-map. Ah bah si, l'herbe. Ah non, juste par là. Cette route, un temple. Oh, monsieur Poisson. Oh, t'es venu ici pour m'effrayer encore plus. Tu te mets du côté des chats juste parce qu'ils sont mignons et poilus. Si vous voulez que je passe le balai partout. Il y a un peu de chance si je nettoie sa maison. Il va peut-être me donner accès à toute sa boîte. Avec un aspirateur, ça aurait été vachement plus rapide quand même. Attention, dernier coup de balai. T'as nettoyé ma maison? J'ai touché. Tiens, je veux te donner la possession la plus jolie. Une carte? De lui? Le narcissisme. T'as nettoyé ma maison, je... Alors moi, si quelqu'un vient nettoyer chez moi, je suis extrêmement touché. Mais je lui passerai pas la pièce la plus jolie de ma collection, soyons honnêtes. Hein. Ça serait... Je sais pas. Et voilà. Laisse-moi tranquille, mon dernier nom n'est pas Stash. Bon. Alors maintenant, moi, on sait que les fondations du temple, pas par là. Rien fait de poussière. Non. Un bouton. Le signe pointe à l'est.
Une nouvelle fois, j'aimerais bien trouver plutôt les fondations du temple. Parce que bah, je me plante pas, c'est bien ça qu'il m'avait dit l'ancêtre du village. Maintenant, je devais essayer d'aller au nord pour aller aux fondations du temple. Ah non, lui il m'avait dit plus exactement le sud-est. Voyons ce que j'ai pas été visité. Là. Alors en fait, les fondations du temple, c'est là où. Là, les fondations du temple. C'est très troublant. Est-ce que Mara ne Mira pardon n'aurait pas quelque chose à me dire? Waouh, c'est des chaussures de vélo depuis le magasin de Finty. Tu me les donnes? Merci jeune, j'apprécie vraiment. Tiens, essaye mes vieilles chaussures en échange. Je pense que tu les trouveras vraiment très utiles. Il y a une gravure dessus qui dit appuie sur X pour sauter. Jamais compris ça, par contre. Pas de X. Nulle part sur mes chaussures. Je peux sauter! Oh, tu es perdu? Est-ce que t'as regardé autour de la plage? Peut-être que quelqu'un peut t'aider là-bas. Il semblerait que les clés viennent à... Que les clés que tu as viennent en tête. Peut-être que tu as besoin de trouver plus. Je pense que oui. Alors moi je propose que maintenant qu'on a le saut, nous arrêtions ici cette première VOD YouTube. Sur Anodine, non. Et que nous continuons notre aventure dans la suite de cette VOD. Du coup, YouTube, salut salut, le live ne bougeait pas et on se dit à plus tard pour YouTube et à tout de suite pour le live.